Bien cette balle avec Brunet et cette balle c'est goal. Premier but marqué par le Léo. Avec ce beau mouvement conclu par Zimmer. On va revoir la phase. Englebert avec Brunet qui écarte bien. Et puis Zimmer qui dans le plafond la met. Mais c'est à Englebert que revient le mérite de ce but à la construction. Et Brunet, la belle vista de Brunet. Alors on va jouer cette fois-ci sur De Groot et ses goals. Deuxième but pour le Léo. Alors on vient de nous enlever une bâche également pour éviter d'être en danger. Oh, c'est beau ce goal de De Groot pour le 3-0. L'homme en forme. Son neuvième but en 2019, magnifique retournée. On revoit cette combinaison, Brunette et puis le retourné, impeccable, imparable pour Timmermans. Baumgarten et la tentative, c'est goal. Zimmer, 2. Tom De Groot, 2, ça fait 4 pour le Léo. Avec une très bonne relance là. Ils sont à 2, peut-être pour le 5e, Cuvelier. Et c'est goal. Le 5e pour Arthur Verdusson. Ça tire à la correction ici pour l'Héraclès. Et encore un but. Le 6e pour Cuvelier. On voyait que le mouvement se dessinait bien. On va revoir cette phase, partie sur le flanc droit. De Groot au départ de la phase et puis Zimmer et Cuvelier pour combiner. Et vous voyez que l'importance de Zimmer aussi. Hein, et c'est vraiment les hommes en forme qui ont soit marqué, soit donné les assists. Verdusson avec Zimmer, la défense de l'Héraclès à nouveau sous pression. Et c'est le 7e, Zimmer le 3e pour lui cet après-midi. 7-0. On remet sur Pérez Vasquez et la tentative qui est déviée et touchée par Louis Hotley pour quand même sauver l'honneur. Ça fera donc 7-1. On va vérifier qu'elle est bien touchée. Pérez Vasquez et puis oui, Hotley qui la touche, c'est donc 7-1. Légèrement dévié, bien vu de la part de Louis Hotley qui aura au moins sauvé l'honneur. Nick Egg et c'est finalement Pérez Vasquez qui met ce deuxième but. Faudra vraiment qu'on ait dû attendre la toute fin de match pour avoir un Héraclès qui se réveille un peu. 7-2. On voit ici donc et puis Pérez Vasquez qui lobe Romain Hennet.